le Gabon s'attaque à une figure du piratage informatique. Par décision de justice, les autorités gabonaises ont décidé d'interdire l'accès au site de piratage de fichiers ME.GA. Si l'extension est celle des sites internet gabonais, pour de nombreux internautes, ses initiales ne sont pas inconnues. ME.GA était en réalité une nouvelle version de Mega Upload, un site américain qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Créé en 2005 par l'allemand Kim Schmitz, cette plateforme était utilisée dans le monde entier pour le partage de films, de musique ou de logiciels, bien souvent au mépris des droits d'auteur. Aujourd'hui, Kim Schmitz est en prison, arrêté en avril 2012 par la police néo-zélandaise, et le site megaupload.com est inaccessible. Loin de rester sans réaction, le hacker a alors décidé de relancer une nouvelle version de son site dans une adresse qu'il espère moins contrôlable. C'est ainsi que l'adresse ME.GA devait accueillir la nouvelle version de Mega Upload pour ouvrir ses portes en janvier 2013. En fermant ME.GA, les autorités gabonaises veulent montrer leur capacité à protéger elles aussi le copyright mondial. Il est à craindre que le site www.me.ga puisse servir de paravent à l'exercice d'activités illégales ou qui peuvent porter atteinte à l'ordre public, notamment économique, au niveau national ou international, par le biais de la diffusion de contenus tels que des films ou de la musique piratée. Le Gabon ne peut servir de plateforme ou d'écran dans la commission d'actes qui viserait à violer les droits d'auteur en général, ni être instrumentalisé par des personnes peu scrupuleuses du respect de notre législation nationale et des textes internationaux. Si le Gabon peut bloquer une adresse, cette victoire n'est sans doute que temporaire dans la guerre des gouvernements contre Mega Upload. Rien n'empêche en effet Kim Schmitz alias Kim.com de se porter acquéreur d'un nouveau nom de domaine appartenant à un autre pays avant le 1er janvier 2013. Rien ne dit alors que les autorités du pays concerné agiront avec la même célérité.